Papi ben pratique de ma rafidah et de toutes choses qui connaissent qu'il appelle Mouta'a. Donc je demande de prier. Et ça c'est pourquoi est-ce qu'on fait Mouta'a en bref, juste pour le frère qui a une petite idée qui dit ça. Vous pouvez bien vous répondre à cette question-là. Tant chose, t'as le compte aussi à ça. Qui fait, il y a du monde. Vous connaissez, dans ma digne de l'égarement. C'est parfois du monde dit, mais qui me trouver là-bas? Il n'est pas trop clair. Il peut dire, mais alors c'est sa bonne qualité quelque chose là. C'est ça même qui m'a là, je sais, sa bonne qualité quelque chose là. Pour je t'attire, surtout, nous avons averti, nous sommes jeunes. Alors, et Mouta'a, c'est une forme de mariage, une forme de Nikah. Nikah pour Mouta'a, chez Ban Rafida, c'est Ban Sœur, toujours de Ban Sœur. Et nous ne pouvons pas Nika, mais nous pas de Nika. Nika pour le Mouta'a, c'est faire un contrat mariage pour une période limitée. C'est-à-dire faire un contrat Nika pour une période limitée. Et sa qualité de mariage-là, définitivement, comme vous écoutez, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, paye dans sa place. Sa qualité de mariage-là, paye dans sa place dans l'islam. Mais, chez Ban Shia, il y a une grande valeur, sa pratique-là. Chez Ban Shia, veut dire, au contraire, je veux dire, il est égal à 70 fois, veut dire, visite Kaaba. Celui qui fait, ben là, dire, ben là, prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire, je prétends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire, celui qui fait un Nikah Mouta'a, veut dire, avec une madame mu'mina, celui qui mariait avec une madame, avec l'intention pour une période limitée, alors c'est comme si les films visitent Kaaba 70 fois. Et ben là, prétendre, c'est hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire ça. Je prétends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fin dire concernant Isra. Je prétends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire concernant Isra. Jibril fin joigne-moi et fin dire moi. Oh Muhammad, et Allah fin dire, mon fin pardonne ban qui fait mut'a avec ban madame dans ton ummat. Mais dire tout cela pour je te montrer hein, vertu mut'a chez eux ban Shia. Et je peux même dire, je peux relier ça quelque chose là avec iman. Mais dire, celui qui pas faire mut'a, son iman pas complète. Celui qui pas faire nikah mut'a, son iman pas complète. Alors je prétends pas dire un mu'min n'est pas complet que si longtemps qu'il n'a pas fait, il n'a pas fait mut'a. Et je peux même dire celui qui fait refuse croire dans mut'a. Pas nécessaire, pas nécessaire, il n'est pas fait accepter faire. Celui qui ne refuse croire dans Mouta'a, il fait faire coffre. Il fait faire coffre car il fait rejeter une base fondamentale de din, din de ban Rafida. Connais ma frère, ma soeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Mouta'a dans l'islam, il est défendu, basant sur ce hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui parmi eux qui vient marier avec une madame pour un moment limité, qui lui donne le mahar, qui lui fait permettre pour donner, qui lui n'a pas prononcé de lui, qui lui pas prononcé de ce qu'il fait donner lui, et qui lui séparé de lui, car certainement Allah fait une décrète sa haram jusqu'à le jour du Qiyam. Ça veut dire jusqu'à jour Qiyam, sa forme de Nikah là, les formes de Nikah Muharrama, les formes de type de Nikah qui n'est pas permissible en Islam. Et quand on pense concernant Mouta'a, c'est une question qu'on nous pose, qu'on nous connaît, avec qui ça n'a qui nous capable de pratiquer Mouta'a. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Et en vérité, quand Ban Shia, il n'y a aucune restriction en ce qui concerne Mouta'a. C'est tout ce qui concerne Ban Ahl al-Sunna wal Jama'a, en vérité, il n'y a aucune restriction concernant Mouta'a. En ce qui concerne Ban Shia, il n'y a aucune restriction en ce qui concerne l'âge de et ça va du monde ou bien ça va de madame. T'as donné comme elle dit, et pas si c'est en ce qui concerne l'as, en ce qui concerne ben, madame qui est mariée, qui veut dire même Mouta'a, elle est capable, plus qu'elle madame. Alors nous, nous connaissons parmi dans le Sunna wal Jama'a, parmi Ban Nikah, qui va gagner le droit faire,
Mas apa yang ramai yang desi, apa yang ramai yang akan bala nak sokala, apa yang ramai yang akan cipio, apa yang ramai yang sokupu, tu salah sebandingkan kehidupan dari madhab ahlu sunnah wal jamaah, bebaku kot syiah atau tu tu berisi. Alors ici, étant donné que comme il dit souvent parole, et les dire qu'on a toute forme de jouissance, comme attouchement, il n'y a aucun problème, même avec un bébé. Alors comme il dit, et les congés, les dire qu'il y a un droit à faire votre accordé, ou même avec un prostitué, et supposément, quand il finit faire sa nicala, il peut viser un pesli, où il y a fait l'immoralité, en d'autres mots, où il y a fait sa petite chose qui est haram là. C'est aussi, il veut dire, comme un zina. Et il y a plusieurs belles paroles qui sont mentionnées ici, par exemple, en ce qui concerne Moutra, et il n'y a aucun problème, combien Moutra fait prendre place entre et madame, et ensuite, et toute maman, il y a des gens qui sont avec une fille, des gens qui sont maman en même temps, et dans Moutra, il y a avec une fille, il y a avec ceci en même temps, il y a avec une madame, il y a avec ce poupou en même temps, il y a avec une fille, il y a avec ce gala en même temps. Alors tout ça, là, c'est votre forme de Moutra. Déjà, Moutra, le haram, là, je vais faire Moutra avec man, celui qui proche, man, celui qui a la relation disant, pour différer le plus haram encore. Alors, quand man, j'ai aucune restriction. Je veux dire que le Sénat, certaines vertus et certaines choses qui sont citées par le man, on ne voit pas. Et peut-être que le man, première question, vous commencez avec la vertu de man, et peut-être que le man, il est déjà fini de penser, quand il y a des vertus du man, pour une autre, pour une autre, pour pousser deux, trois paroles pour montrer cette exacerbation et vertu que le film donne avant l'imam. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد لغوا 30 سجلد مشان يفهم سامود هو مكوز عن سجيت لو متعامل أمسي إيوه من فيا سليم لا سيدني كي في ترجمة أو فرنسي لي بو الله في كل سورة لله ثم للتاريخ سيدن باوي من شيخ من عالم باوي من شيعة سكتي bien proche la main droite avec Khomeini lui-même les fins fait en bas, les fins accepter Dawa, les fins accepter Manhaj Ahlus Sunnah wa Jama'a et les fins dévoiler complètement là-dedans. Mais je vais faire une débarque pour je récit qu'il y a un Covid et sa livre-là, mais pas dans Allah, je n'ai pas fait le récit gagné. À la base 44 de sa livre-là, Khomeini lui-même, sa personne, c'est qui vient d'écrire sa livre-là, lui, si ensemble avec Khomeini, loin de voyage, Khomeini, il rendait une place, il mangeait boire, il vient attirer quoi, un petit fille, il vient devant Pierre-Michon et il vient passer la nuit avec sa petite fille de. Là, je ne viens pas me rappeler exactement là-dedans, je ne vais pas gagner temps. Hein? 4 ans ou ça 5 ans, il a dit dans sa livre-là à la page 44-45. Et sachez là, il dit, il fait donne, sa petite fille-là peut crier, peut hier, peut pleurer. Khomeini avec lui. Ça, du monde, la Khomeini, c'est qui beaucoup parmi ceux qui appellent Tauhid, peut dire révolution arabe, ils ont pris l'exemple avec Khomeini. Ça, l'exemple, vous prend. Il y a des gens qui ont pris l'exemple, ça. Ça, du monde, là, c'est qui fait un insiste. Ça, c'est qui est là-dedans. Je suis capable de faire ça, livre-là, je suis capable de prendre. Je retourne là, c'est qui est dans plusieurs concernant le VHU de l'imam. Comment vous entendez, depuis tout à l'heure, l'imam, je connais beaucoup de choses. Moi, je connais beaucoup de choses qui sont dans le dire de ce livre, mais non. Nous pas gagner les temps si tout un hadith, c'est le chapitre qui est dans ce livre. Je dis pour un chapitre qui est dans l'imam, a'lam min al-anbiya, alayhi salat wa salam. C'est qui est dans l'imam, il n'a plus beaucoup de connaissances qui est dans le prophète. C'est qui est dans l'imam, c'est dans l'ulul azm min al-rusul. C'est un prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salat wa salam, Isa alayhi salat wa salam, Moussa alayhi salat wa salam. C'est un prophète dans le bingé, c'est un titre ulul azm min al-rusul. Qui fait c'est pas l'amour qui se tient soi-disant pour 10 imams. أن الدعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم. سيكي سوى ديزان بان دعاء كمان إمام سيكي بان بروفيت فين فيا الله فين أكسبتي بان بروفيت تو بان بروفيت زد با سي أغابي توسل فين باس با بان زد وسيلة أشو موما كي لفين أكسبتي دي لامين فاسو زد ديا كونسا زد إمام كونسا إمام علم ما في الأرض سنة كونسان سيكينا لولاتي علم ما كان سنة كونسان سيكي فين هنا علم ما يكون كي تسوي سيكي بو أغيبي وما يحدث بالليل والنهار وساعة وساعة سيكي أغيبي بونا لا نويت سيكي أغيبي بونا لا جوني ساك ليتا بو ليتا وعندهم علم النبيين وزيادة زدنا كونسان دي تو بان بروفيت اي ان بليس تو لولا زدنا بابي بان كي تسوي سيكي زدان إمام انا انكو باب انهم يعرفون الناس بحقيقة الإيمان زد كوني زد لا بي كونسان إيمان
cité des imams de 5000 personnes, je connais, dans lesquelles du monde je connais. Et de la même façon, mais Hakikat al-Nifaq, qui commençait un du monde hypocrite, ça aussi je connais. Wa indahum kitabun fihi asma'u ahli al-jannah. Je donne un livre, je parle imam, dans ce livre-là, il y a un nom de tout le du monde qui pourra dans Rab al-Jannah. اسم واسماء شيعتهم واعدائهم ان نوم de ce ban chiya ban qui ensemble avec eux et ce ban l'ennemi et de la même façon je dis à ce imam il a cher wa ya'lamu alimu donc ce imam on lui connaît quelque chose imam là li pou li connaît et de la même façon annahum la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum ce qui ban là je connais quand je mourrai et je mourrai excepté par le choix c'est eux qui décident quand je mourrai soit disant qui amirul mu'minin c'est plus jeune, c'est Ali bin Abi Talib. Il disait, le ma'araf Jibril ou Rabba. Il y a soi-disant qui Jibril, alayhi salat wa salam, il partit qu'on a ta subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Talib, qui finit qu'on a ta subhanahu wa ta'ala, et il partit qu'on a ce propre nom. De la même façon, il y a encore les autres, avant qu'ils soient ce que je veux dire, et un des paroles, je veux dire, un al-aïma alayhi salat wa salam, awladullahi min salbi aliyin. Il y a beaucoup de temps, ça vous l'a fait, c'est l'islam. Montrer qui ça, aqida la parie, ma aqida, devant le juif, contre shi'a, rafida li souti. Aussi, c'est maintenant le Coran, il y a, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. C'est un juif, un chrétien, je veux dire, nous, nos enfants, Allah. Il m'a l'air à ce moment-là, beaucoup d'arrêts d'orgide, du coup de beaucoup m'insiste d'orgide, je veux dire, nous, mes enfants, Allah. Et Shia'an, il dit, nous, nos enfants, Allah, et Nakhida, je veux dire, directement, depuis Abdullah bin Sabah, excuse-moi pour les temps venus. Et aussi, à nos causes, pour ça, un verchif, ici, verchif, visite frappe, d'Ali, bin Abdoukhalif, alors, c'est plein d'une explication, Inch'Allah, avec Frère Chafé. Concernant vertu, visite qabr de Ali bin Abi Talib et Banna prétend que Ja'far al-Sadiq Finjia, celui qui visite qabr Amir al-Mu'minin, de Ali bin Abi Talib, Allah écrit pour chaque pas un hajj accepté et umrah mabrouf. Si Amal ou Allah, ô Ibn Malik, Allah pas pour faire goudjive un libier. Qu'il a bougé à fin tout cela, veut dire pour visite Amir al-Mu'mini, son cabar. Veut dire tout cela, c'est une fausseté qui se finit inventée pour encourager du monde pour faire, veut dire, ziyarat et cabar de Ali, radiallahu anhu. Et Al-Kulayni, veut dire, il prétend qu'Abu Abdallah, veut dire concernant visite de cabar de Ali, est-ce qu'il ne peut pas visiter celui qui Allah et son ange visité, Allah fait ziyarat qabar de Ali. Alors, pour Rafida, Allah fait ziyarat qabar de Ali. Alors, il dit, est-ce qu'il ne peut pas visiter celui qui Allah et son ange visité, ban prophète, veut dire, ban prophète aussi visité, et ban mu'min visité. Toujours, encore une fois, mon frère, tout cela, c'est et l'exagération de Saban égaré. Parmi les vertus encore, c'est le cas de Hussein ibn Ali, Mouchard al-Taifan, de Médinité, qui sont vertus d'Al-Tabana. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alim sahbi, man tabi'ahum ihsan ibn abu al-din amma ba'd. Bien sûr, et une vertu continue, elle nous soit vertu vite. Et celui qui est une visite qabar de Hussein, et si je connais qu'il a d'en faire sa visite là, je dis pour moi avec désir, et je dis pour moi aussi les autres mêmes. Je vous comme je vous le et avec les mots. Dans une autre place, que je dis et je prétends bien sûr toujours qu'il y a Abdallah Findier qui est en vérité va visiter le Hussein Ibn Ali le jour Qiyama pour la référence au Mandé sur Timoun. Alors, c'est le Timoun qui appelle le Zorara qui me demande mais qui vous êtes vêtu. Alors, supposément qu'il y a Abdallah Djia qui se trouve dans Tannat avant Mandé sur Timoun et pour 40 ans. 40 ans avant, se trouve dans Tannat avant Mandé sur Timoun. Et un dernier exemple, et supposément, qui le bon sallallahu alayhi wa sallam finjia et à Ali, oh Ali, celui qui visite moi dans la vie, veut dire comme tu es vivant et comme finis mot, celui qui visite toi, quand tu es vivant, quand tu finis mot, et celui qui visite tes deux garçons,
Alors tu vivras et que c'est fini beau. Moi, mon garanti, lui, le jour qu'il y a un mec qui me pourra payer sur ma difficulté, me pour diminuer sur ma atrocité et me pour faire le même rang avec moi. Faire le même statut avec moi. Ça, c'est quelques vertus. Donc ça, c'est le vertu à la visite de Mankaba. Quand le vertu encore qui félicite les autres, il y en a beaucoup, mais parmi ces vertus pour faire le Kalbara. Pour faire le Kalbara, il m'a parlé à plusieurs, donc pour faire le Kalbara, je suis un petit peu. في الله عليه وسلم. بسم الله والسلام على رسول الله ما بعد كيف يا سلام بلاصه هنا غاليه وجدت بوسكي سي ما بلا جوتي بوسكي لا بلا سلام بلاصه دو كربلاء سي حسين بن علي اللي في بو لا بلا سلام بلاصه تي دي مومون كي لي في بو سلام بلاصه اللي في بين بلاص كونتيننتي علي Alors sa place est féminine, une place sacrée. Hein? Sa place est féminine sacrée. C'est pour sa raison qui maintenant, je te mette beaucoup l'emphase là-bas, je fais tawaf et je même fais salat dans sa même place-là. Et je dis encore qu'il soit disant sa même place à Koufa, à Karbala, et la plus-value qui la terre de Makkah, et soit disant qui c'est partout, de ce côté droit, côté gauche, pour les rires, pour les vents, partout c'est même jardin, pour le même jardin des Jannah. Pareil, moi, رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة مسجد المسجد النبوي. يدون في رسول الله في سبيل الإسلام. سبان سيدا بناء الإمام. يبعبو قانون قانو. بإجزاء الحسن الحسين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين. نبات الإمام الحسن إمام الحسين. سسي شيعة من رافضة زود فاسو دي في سيدا زود في نو. قد يسا سيدا في ألف زود في سيبوت زود عقيدة. في سيبوت زود عقيدة. ألو سيبابو نزيع إمام حسين إمام حسن نجيا الحسن بن علي الحسين ابن علي إن أقول لسبان فابي سجود جبر سلا سبان سلا سواد زان سيدنا كي سكري سلا تي إن بيديكشون إن عيريزون إكسترا لدا. قبل ما نديشون هو كيف نسيتي سلاحية قلب حسين يكوني كمطينا إن شاء الله ممكن نجيب ديتاي مع فرير شافي. concernant et vertu la terre قبل حسين et بلان زبريتان كي Dans la terre, Qabr Hussein, il y a un shifa, il y a une guérison pour chaque maladie et ses plus grands remèdes. Et je prétends aussi, par une bonne parole, de dire faire sijda au Qabr Hussein, l'éclairer jusqu'à cette la terre. Et je dis, meilleur avec qui un sa'im fait iftar, meilleur avec lequel un dimon qui garde rosa fait iftar, je dis, la terre Qabr Hussein. Donc l'exagération de Banshia encourage Dimon pour manger la terre. Maintenant je prétends encore une fois de dire qu'il fait un tahnik de bons enfants, une pratique à la naissance de bons enfants, faire tahnik de bons enfants avec la terre Qabr de Hussein, car c'est une protection. Parmi ma vérité encore qui est cité, c'est que l'un d'eux après le Baba, Zakir, etc. Donc, je demande aussi, est-ce qu'il m'a une ibadette dans une place pareille ? Une invalide ou soit une invalide ? Donc, Inch'Allah, les fans vont revenir. Et en ce qui concerne faire ibadette contre le Qabr de Hussein, ici, il y a toujours une question qui se fait prétendre qui. Et Abu Abdullah, Al-Bédier, pour celui qui fait la salat contre le Qabr de Hussein, alors chaque rakat qu'il fait, il parle absolument qu'il ne fait mille hajj, et absolument qu'il ne fait mille umrah, et absolument qu'il fait libérer mille esclaves, et absolument qu'il fait debout 1 million de fois dans le jihad avec un prophète qui venait envoyé. Aussi bien que je prétends qu'Abu Abdullah bin Jir, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut commencer à ben celui qui fait une visite au Qabr de Hussein ibn Ali, la rue de Arafat. Alors, je ne sais pas si pour que ben qui fait une visite au Qabr là, mais ben qui fait une visite la nuit de Arafat. Dans ce moment-là, ben qui fait une visite au Qabr de Hussein, je peux gagner un privilège. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, supposément, pour que je sois avant, même avant ben celui qui me déboute dans Arafat. Alors, voilà, je n'ai pas étonné. Mais même Mansouri qui déboute dans Arafat, moi je dis pour quelqu'un qui ne sait pas ce alors, je dis oui. Et parce que Mansouri qui déboute dans Arafat, pour maintenant il a des enfants Zina, et parmi Mansouri qui visite Qabr Hussein, Pena Zina. Et là, c'est juste une pratique qui, je pense qu'il ne mange pas vite. Et la lutte de Arafat, quand au 20 jours de Arafat même, c'est.
Oui, et le jour de Arafat, après coucher soleil, et ben, c'est une pratique qui se met ben, madame dans la femme, dans la tente. Alors, votre féri va tout le voir, pas qu'on est que ça n'a, supposément, un Michel Chia qui est rentré, de choisir une madame, comme ça, il y a une relation avec lui. Et si ça va amener qu'un enfant, il est connu comme un Seyyid. Et cette pratique-là, on le connaît dans la femme qui ferme, qui doit, et la madame là-dedans, ça dit qu'on est rentré, on connaît lui, que ça n'a qu'il fait. Donc, ça, il y a une relation, il est capable avec son maman, il est avec ce chien, il est capable. Et à qui point nous nous trouvons mal optés de Savan Djimounla et comment faire part à chaque fois, je dis vraiment, il y a un Da'i Tawhid qui avait des femmes. Ça va là que nous, et ça peut passer par l'atrocité. Mais pour faire une action pareille, mais qui vous veut penser pour descendre? Pour faire quelque chose pareille, on a dit tant d'être là avec un enfant, 4 ans, 5 ans, à cela, mais dans un jour, il n'y a aucun. Et la honte dans les États-Unis, même je veux dire, la reine a un enfant si là. Je devrais connaître quelque chose là, bravo. Seulement, nous allons faire quelque chose pareille, déjà qu'on l'a au Khairan. Et bien, il y a un peu de temps pour s'en réagir, un cabal, un femme cabal, un visite cabal, un femme visite bazar. Donc, quelque part, il y a un peu d'adapte, il y a un peu d'adapte, pour s'y tenir 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 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد أي من آداب زيارة سكي دوزت بان ليبنا سكي بيشون يبدأ في غسل زي سامون يغان كود كبار سيفين من غسل أغا يبدأ بريزان دي دوان سقبار لا avec humilité et avec خشوع سيا avec toute sa réhumilité de mon lit quand il rentre il déboute devant كبار لا et ensuite il embrasse lui pareil comme il embrasse Hajar al-Aswad et du bon faire connaître qu'il va nous dire ban un petit coca hanjer la soit depuis Makka et quand il m'a dit bien pose la joue de Kaba et du bon il pose sur la joue de sa Kaba là et lui ensuite il fait tawaf Kaba qu'il va visiter lui fait face Qibla et il donne les deux Qibla quand il veut faire salat contre Kaba pas n'est pour une raison de faire doa contre Kaba attentivement. Ça c'est un petit peu adab, on s'en va là, et nous trouvons tout ça, c'est quelque chose qui amène des chefs, qui amène des koufs, pas qu'ils sont qui, Allah subhanahu wa ta'ala, et sur le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça m'a fait l'enseigne ça. Et moi je veux dire, Azouzi, problème, on a pu faire beaucoup, beaucoup d'ito, Azouzi même, Azouzi, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve, il protège, nous avons frère, Sunni dans l'Arabie, le frontière, c'est libré avec Yémen. Quand on a un cerveau, il y a un missile, je finance un missile. Mais Alhamdulillah, l'homme saoudien qui réussit à arrêter ce missile-là. Et là, c'est qui est malheureux, c'est qui est malhonnête de la croix, ben, c'est qui ça coûte. Il y a un problème dans l'Irak, il y a un problème dans la Syrie, il y a un problème de côté. Le mimbar, je te monte, je te cause, on flamme la main, sauté à faire djihad. Qui djihad, tu vas le faire. Là-bas, nous connaissons, on a fait la guerre pour la terre, puis la guerre pour Wissès, puis la guerre pour l'honneur, puis la guerre pour les autres choses. Ici, Shia, puis la guerre pour Dine, puis la guerre, Shia dans Yémen, c'est qu'il y avait le Bouti, puis la guerre qui vient pour qui Shia. Et il dit, puis la guerre, c'est l'Iran qui peut fournir tout qui chose, fournir tout qui chose. À Savan Houtila, pour la guerre contre Daoula Islamia, l'État islamique de l'Arabie Saoudite, pour la guerre, c'est une guerre contre, une guerre Aqida. Et la guerre conceptionnelle qui était ça. Et la guerre pour qui Shia, ça va mal propre là. Je gagne le pouvoir dans Makkah, dans Medina. Qu'ils ont pu faire, frère, c'est l'islam. Pas plus tard, qu'il y ait 3 semaines de cela. Je viens pendant Salat Fajr. Je viens essayer d'attaquer l'imam Hudhaifi dans Medina. C'est lui qui dit, d'une cause, crie, carré dans son coup de bas. Contre un Shia. À l'époque, nous sommes encore bien en Arabie à l'époque là. Jusqu'à Jean-Paul Pérot, Imam Hudhaifi Ali Al-Hudhaifi, Jean-Paul Pérot lit encore pour tuer. Quelques temps de ça, je vois le YouTube, je vous trouver. Des autres, ce que je veux faire, je vais apporter. Je vais apporter Dito, je vais apporter Dito, Ban Sunni, Ban Frère Parikman, ce qui est le Akida, Ahlus Sunna.
d'apôtre, je dis tout dans Yémen, aujourd'hui, fait son islam, et tout ça va nous équiper cause d'Irak, nous avons djihad. Nous avons djihad, je dis qu'on avait djihad là-bas, mais au moins, d'Ora, nous sommes nous, mon frère, c'est qu'il est au sunna. Ça, ça m'a écouté dans cette cause. Ironie, parce que la vérité par mélange avec fausseté, ça va nous équiper crier, mais il y a des lomimba, puis en flamme, ça c'est né ça pour sortir, pour aller dans Irak, pour aller supporter ISIS. Et là, il y a où ISIS solide, c'est les parmi, ben, courage, les corrects, il y a une bonne image. Quand tu étais aujourd'hui, toi qui tu fais flatter, aujourd'hui comme on a fait briller les enfants, aujourd'hui comme on a fait prendre madame, puis vendre, puis prendre madame, c'est qui normal, puis prendre ceux qui vendent comme esclaves, puis faire mal à atrocité, puis sauter les goûts musulmans, soi-disant, puis faire rida. Quand tu étais toi, c'est lui qui t'a dit ton rite, tu peux venir défendre, soi-disant, ban frère, aujourd'hui quand sunna, peut-être, ban a fait tout sunna, tu pas trouves toi, pardonne-toi, et une parole, tu vas dire, ça nous dire, c'est. Favier Allah subhanahu wa ta'ala fin donne ban kilo la vérité pour défendre la vérité tous les temps et ça c'est déshonneur pour vous je pas défendre la vérité tous les temps nous pas besoin aussi pour vous défendre la vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala li fin de nous wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan quelqu'un y a quoi même frère parler pour vous autres c'est un petit peu comme c'est là ban l'id qui ban rafidah de célébrer Inch'Allah que ça c'est pour vous expliquer. Alors, et concernant conception de Ban Shia, en ce qui concerne le Ban Fête, le Diarid veut dire un jour de fête, et Ban là, il y en a plusieurs, ce Bénin, nous, Ahlus Sunnah, nous n'avons deux Eid. Nous, Ahlus Sunnah, nous n'avons deux Eid annuels, et apporte, veut dire le jour du vendredi, qui est un Eid hebdomadaire, selon la Sunnah, mais Ban Shia, c'est un Eid qui appelle Eid Ghadir. Qui célébrait le 8 de l'Hijjah, c'est-à-dire qui considérait plus autre comme meilleur Eid, et je t'appelle ça la journée de l'islam. Et il y a une différence entre nous avec eux, Banna considère sa fête-là, sa Eid-là comme meilleur Eid, et quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, qui Allah fait choisir deux jours de fête pour sa Ummat-là, c'est Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Gelban Rafida, comment est-ce qu'il nous capable? Comment est-ce qu'il nous capable de dire Ena faire concession ou bien nous capable accepter de dire Ena l'émotion ou un bandimon qui se célébrait le jour de la mort de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu le jour qu'il finit être poignardé je célébrais veut dire ce jour là veut dire comme un jour de fête veut dire contentement que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu finit être poignardé et veut dire je célébrais courage l'assassin de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu le 9 Rabi'ul Awwal. Et parmi ce ban fête, c'est Ashura, comme on le connaît, veut dire jour que tu fais matin, jour qui connu la Maurice, comme jour de Goun. Et il est aussi mentionné qu'ils ont célébré un Eid qui appelle Eid Newroz, qui en réalité, c'est un nouvel an, veut dire, dans le calendrier perse qui célébrait le 21 mars et de chaque année. Et pas nécessaire, pour terminer, pas nécessaire de dire, il est déjà connu. Jusqu'à tout ce qui vous fait entendre, quantité qui va là élève ce ban imam, si je t'ai élève ce ban imam là-haut, ban prophète, alors, pas besoin de dire où, naissance de ce ban imam et l'amour de ce ban imam, c'est ban grand jour et c'est ban jour de fête pour eux, je t'ai na ban Eid, veut dire à l'occasion de naissance de ce ban imam et veut dire pour commémorer l'amour de ce ban imam. Donc ça c'est le deuxième parti concernant Aqida Ban Rafida. Donc Inch'Allah Ban Frère, après sera déjà le troisième parti bien important qui nous propose concernant maintenant ce danger de représenter Ban Sunni et aussi qui supposait Wisten envers Banna. Donc Inch'Allah, après Inch'Allah, on continue.